Voilà ce qui reste du trois-mâts de Roald Amundsen. C'est l'épave du célèbre explorateur et elle est remorquée à son port d'attache en Norvège, plus de 90 ans après avoir coulé. L'épave a été rachetée pour 1 euro par la commune d'Asker, là où les chantiers navals avaient construit la goélette de l'explorateur au début du 19e. C'est sur ce même trois-mâts que Roald Amundsen avait été le premier à atteindre le pôle sud. Jan Vanguard organise le retour de la Maud en Norvège. Pour moi, je retrouve dans la Maud beaucoup d'Amundsen. Elle le représente. Elle était loin, il a disparu. Maintenant, il revient à la maison. Roald Amundsen avait fait construire la Maud pour relier par le nord l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Le Norvégien avait été le premier à explorer la route maritime du Nord, un voyage commencé il y a un siècle et qui dura 6 ans.